Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 240 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à un jeu toujours indépendant qui est à peu près connu qui s'appelle Antichamber. Antichamber qui est un jeu complètement what the fuck et que je ne connais pas parce que j'ai jamais bien compris en fait la logique du jeu. Voilà, il me dit qu'il me reste 1h27 de jeu. Les commandes sont là, alors c'est en arracher les cheveux puisque c'est les commandes en anglais, hein, WASD. Le problème c'est que moi j'ai un clavier AZERTY. Et qu'il n'y a pas moyen de changer les les commandes, on peut rien faire. Donc voilà. Donc je crois que voilà, j'avais commencé à faire un truc. Voilà, la sortie elle est là, on peut y aller, hein, évidemment, hein, c'est trop simple. Et je vais recommencer parce que je suis juste allé dans le premier niveau. Et alors, ça va être vraiment très dur à décrire ce jeu. Walk. Donc il me dit de marcher peut-être avec un point d'interrogation. On va peut-être aller là. Ok, je peux pas y aller. Ok, d'accord. On va essayer de sauter. Et ben non, on peut pas. Ok. Où suis-je? Ça n'a pas de sens. Alors pareil, on peut pas jouer à la manette, hein. J'ai essayé, non, on peut pas. Donc, on va essayer de... What ? Eh ben non, je peux pas sauter jusqu'à là. Alors, c'est quoi ce jeu ? Alors c'est très 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 clair, il y a des couleurs, c'est joli. Ça se voit que c'est indépendant. Fayette tout succès, does not mean Fayette tout progress. Ok. Ok, on rentre dans une chambre noire. Ah oh putain, ça pue le truc, ça fait vachement peur. Alors attends, est-ce que je peux donc S, D, Z, hop. Ouais, en fait, je crois que je vais faire que avancer parce que c'est vraiment, vraiment chiant de faire du ZQSD. Alors, clic here. Some paths are clearer. Certains chemins sont plus... propre que d'autres, non. Parce que mon niveau d'anglais est plutôt moyen. Alors la musique, si j'ai envie de dire quelque chose, c'est plutôt zen. Alors là, il y a du bleu et du rouge. Est-ce qu'il faut que... Alors tout de suite, le rouge, c'est un escalier inversé, je comprends pas vraiment. Hein. Allez, on va prendre le bleu parce qu'on est des oufs. Ah mais ouais, mais il me disait que le chemin était plus... était mieux que l'autre. Ok. Attends, on va reprendre le bleu, hein, voilà. On va peut-être se foutre de ma gueule, hein. Ok. Ce jeu se fout de ma gueule, là. Ce jeu se moque de moi. Alors, un jour, je pense que je vais faire un test sur... comment il s'appelle? Je vous ferai un test sur Stanley Parable, c'est un peu le même délire, hein. On se fout littéralement de votre gueule. Je vais essayer de le prendre 40 fois. Voilà, pas 40 fois, hein, mais je vais essayer de le prendre... A choice may be simple as going left or going right. Ok. Bah moi, going right. Sauf que, bon, va dire foutre, il a pas l'air d'avoir envie que je prenne à droite. Hein. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Ou alors à moins que je le fasse 40 milliards de fois. Ouais, non, ok, c'est exactement le même endroit. Ouh que ça pue. Ouh que ça pue l'escalier rouge. Oh. The choice doesn't matter if you would come in the same. Ce jeu se fout de ma gueule. Ce jeu se fout littéralement de ma gueule. Combien de temps va-t-il falloir que je... À moins que je fasse demi-tour. Il se passe quoi si je fais demi-tour? Ah, le chemin ne ressemble pas à ce que j'avais pris. Ok, ok, ok. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, je peux pas revenir en arrière. Ok, donc là il vient de me dire de retourner en arrière.
parce que je me suis trompé de chemin quelque part. Ok. Donc on va revenir en arrière parce qu'on se fout complètement de notre gueule. Sauf que je vais pas y aller. Parce que je crois qu'il y a quelque chose que qui m'échappe un peu. Hein. Voilà, voilà. Vous prenez le bon chemin, vous revenez en arrière et on se fout complètement de vous. Alors, un petit chamba. Voilà, je commence déjà à devenir fou. Hein, voilà. Alors, comment je fais? Hop. Ah ouais, d'accord. Sauf que ça me sert à rien du tout. Oh le fils de fils. Oh le fils de fils qui me fait un escalier pendant que j'y vais. Attends. Ouh le fils. Taking the first step can be harder than the rest of the challenge. Ok, ça veut dire que là si j'y vais là, y a des choses cachées. Non mais c'est sérieux? Alors un cul-de-sac vous stoppera seulement si vous ne tentez pas d'aller à part après. Donc là si je vais là, est-ce que je tombe? Oui, je tombe. Et je tombe, je sais pas où. Voilà. Voilà, voilà. Alors, est-ce que ça m'amène quelque part de bien? Is a valid option. Qu'est-ce que c'est que ça? Fuck. Some path is straight forward. Moi con. Non mais what the... Mais... Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Oh con, je comprends rien ce que je fais. La façon dont... comment vous percevez un problème change à chaque fois que vous le regardez. F. E. L. I. F. Lift. Life. Il faut y aller en reculant. Si on le voit pas, il y est pas. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais je dois aller où en fait? A few steps mais moving forward. Faut pas que je le regarde. Faut pas que je le regarde. Comment je vais en arrière? Q. Z. Z. A. Attends. Comment je vais reculer? Ok.
Ok. What the fuck? Ok, a window of opportunity can be un... Je comprends pas. Pas grave. Tant pis. Ouais, con. C'est quoi ce bordel? Il y a un truc noir qui se balade. Moi, con. Non, en fait, tout fait flipper dans ce jeu. Qu'est-ce que je dois faire? Mais quel est le but de ce jeu? Ah, ça commence à faire flipper, là. Il y a des bruits bizarres. Ah, mon dieu, c'est un jeu de rôle. Qu'est-ce qu'il nous faut? Je sais pas si vous verrez quelque chose sur la vidéo, en tout cas c'est bien sombre. Look a little harder if you will find a way forward. Venturing into... Donc c'est un jeu, je pense, qui est plein d'énigmes. Qu'est-ce que je... D'accord, donc je suis là. Ça m'a fermé la porte, super. Then may come before to get. Life isn't about getting to the end. Tu croyais que c'était la fin, hein? Eh ben non. Voilà. C'était pas la fin du jeu. C'est pas la fin du jeu. Life isn't about getting to the end. Ça veut dire quoi ça? Time needed to view the world from someone else's perspective. Ah, mais je suis passé? Ok. Ok. Ouais, en fait, je suis revenu sur mes pas, en fait. En fait, dès que tu regardes dans ces trucs-là, ton monde a changé. Tu es dans l'autre. En fait, tu passes dans l'autre. Là par terre ils me disent va là, sauf que ça sert à rien. Qu'est-ce que je dois faire? Bon, un con. Ah, c'est pas du tout de... Oui, tu me dis d'aller là, mais comment je fais?
j'essaye de trouver une solution. C'est mal barré pour le... Oui, je sais que tu veux m'emmener là. Ouh, mais dis donc, je crois bien que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, ça fait un moment qu'on tourne en rond dans ce jeu. Je pense que j'y reviendrai à la tête reposée. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cet aperçu de jeu. Je pense qu'on peut se casser la tête un moment dessus. Mais il faudrait que j'arrive à rentrer dans la salle, tout simplement. Voilà. Donc, je vous laisse là, sur cette super vidéo. Je vous dis, si vous avez aimé, commentez, partagez, abonnez-vous, pour suivre les prochaines vidéos qui arriveront très rapidement. Et comme je vous ai dit, partagez si vous voulez faire connaître un peu, au moins cette chaîne ou ces jeux. Le but, c'est de faire connaître les jeux. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Salut !